Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Lord, we bless your name for your grace. Merci. Thank you. Merci pour ta présence. Thank you for your presence. Merci pour ces hommes et ces femmes. Thank you for these men and women. C'est toi qui nous attire. You're the one attracting us. C'est toi qui nous parle. You're the one speaking to us. C'est toi qui nous fortifie. You're the one strengthening us. Que ton nom soit glorifié. May your name be glorified. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Nous prions. Amen. We pray. Amen. On va diffuser une vidéo, c'est possible? Alors c'est sur les écrans. Je ne sais pas, ça sera aussi sur TV de vie. C'est bon? On a trouvé un moyen? Eh bien, parfait. We're gonna show you some images. Il y a aussi le son, hein, Trifel. Il y a le son? Ok. On continue à vous parler, à vous montrer quelques œuvres que le Seigneur fait. We keep on showing you images about what the Lord is doing. Je pense que ça va beaucoup vous encourager. And I truly believe that you're gonna be encouraged. On peut y aller. Glory to Jesus. Donc l'orphelinat en Afrique du Sud. The orphanage in South Africa. Et en fait, on a fait connaissance de cet orphelinat là, d'une femme qui a ouvert cet orphelinat. We meet the woman who built this orphanage in South Africa. Juste pause. Et elle a 32 enfants. This woman has 32 children. Elle a 71 ans. She's 71 years old. Elle les nourrissait avec sa pension. And she's feeding them with her pension. Elle n'en pouvait plus. And she couldn't take it anymore. Donc elle est Zulu. She's Zulu. Et elle priait le Seigneur pour pouvoir pour avoir de quoi subvenir aux besoins de ses enfants. And she was praying the Lord to help her feed these children. Donc lors de la mission là-bas, and while during the mission when we le went Seigneur there, a permis que ces 32 enfants soient pris en charge par le Pain Quotidien. The Lord allowed us to take care of these 32 et là, children. On a pu avec les dons que les frères et sœurs ont envoyés, with all the things that you sent, leur prendre une machine à laver parce qu'ils n'en avaient pas. All the finances that you sent, we were able to buy a washing machine. Et que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. C'est bon. Yeah, it's 17 kilograms. Une maison pour personnes âgées. This is a house for elders. Depuis deux semaines. Ça fait 4 mois qu'elle est là. On ne s'occupe pas de l'enfant depuis 2 semaines qu'elle est ici. On me demande seulement de payer la facture et sortir. Pause. Cet enfant camerounais est né avec une malformation physique. You can see that this child was born like this. He is disabled. Juste avant de parler de cet enfant, chaque mois on va envoyer aussi de l'argent pour la nourriture des personnes âgées en Afrique du Sud. Every month we'll be sending money in order for people, old people to get some food. 1000 euros à l'orphelinat et 300 euros pour la maison de personnes âgées. 1000 euros for the orphanage and 300 euros for old people home. Cet enfant est né au Cameroun avec une malformation physique. This child was born disabled. Les médecins encourageaient sa maman à le tuer, à l'assassiner. And the doctors asked the mother to murder her child. Et le Seigneur est intervenu avec via l'association Yadon. And the Lord intervened via the association, the charity Yadon. Donc, il a suivi des soins. And he received treatment. Et vous allez voir la suite.
We're going to see what happened next. Bonjour, ici Olivier Kemen, joueur des Chamois Niortais de football. Le 23 au 28 décembre, avec deux frères à moi, nous sommes partis au Cameroun, confronter un peu la souffrance des gens et nous avons pour mission d'aller dans l'hôpital La Quintini. À notre arrivée, nous avons pu constater que des femmes, des mamans enceintes qui venaient d'accoucher étaient retenues prisonnières. Enchaînées. Et étant choqués de cela, grâce à quelques dons et à notre bourse, on a pu libérer, avec l'aide de Dieu, 7 femmes en tout. Bonjour, comment allez-vous? Du coup, vous sortez aujourd'hui? Vous êtes très contente? Je suis très émue par rapport à tout ça. J'avais perdu totalement d'espoir. Ah oui. J'étais perdue. Et grâce à Dieu, je remercie Dieu et je vous remercie aussi d'être venu nous aider. Ça prouve que Dieu est fort. Il y a des hommes de bonne parole. Je vous remercie vraiment de bonne volonté. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Merci. Voilà le conteneur qui est ouvert, décelé. Pause. La vidéo précédente parle de l'orphelinat, d'un orphelinat au Cameroun. The video that you just saw before was about an orphanage back in Cameroon. Joël, il est où? Tu peux venir nous parler rapidement de cet orphelinat, s'il te plaît? À la fin de la réunion, j'aurai une rencontre avec tous les Camerounais et Camerounaises. At the end of this meeting, I want to gather up with all people from Cameroon. Amen. 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 Tu peux nous parler un peu de cette Alors, structure? Alors, c'est pas encore un orphelinat, ça va le devenir. Ok. Là, pour moi, c'est un centre d'accueil pour les démunis. Donc, faut savoir que Akonuniga, c'est une ville préfectorale. Et, est-ce que tout le monde entend? Vous m'entendez bien? Voilà. Donc, Akonuniga, c'est une ville préfectorale et c'est une ville aussi qui est très, très pauvre. Et il faut savoir que la majorité des enfants qui sont là-bas, à partir de l'âge de 10 ans, s'ils n'arrivent pas à réussir à l'école, ils finissent dans la prostitution ou dans la drogue. Et donc, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien pour les enfants là-bas. Donc, on a décidé, en fait, de les accueillir et de leur proposer, en fait, des temps de jeu, de partage, d'enseignement et aussi des soutiens scolaires. Par la suite, si le Seigneur permet, on va ouvrir un orphelinat. Il y a combien d'enfants en tout? Alors, on a commencé, on était peut-être une vingtaine. Aujourd'hui, on a plus de centaines d'enfants. Plus de 100 enfants. Ouais. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a over 100 children who are welcome in the reception center. Et c'est au Cameroun, hein? Au Cameroun. And that's back in Cameroon. Le maire, le préfet, ils sont touchés. Ils ont reçu l'évangile, ils sont touchés. Le préfet est touché. Le préfet, le maire est touché. Le maire est touché. Et les prisonniers aussi sont touchés. Donc voilà. Prisoners, un réveil. Authorities are touched, but also people in prison are also touched. This is a revival. Donc voilà, on essaie d'avancer petit à petit. Là, on est en train d'acquérir des terrains pour pouvoir faire de l'agriculture et faire un centre de formation. Donc des frères et sœurs qui auront des talents dans l'électricité, dans l'agriculture, dans la couture, ils viendront en fait pour pouvoir enseigner ces personnes-là et leur apprendre un métier. Voilà. Gloire au Seigneur. Et ensuite, vous avez la Centrafrique, où un conteneur de 40 pieds a été envoyé. Voilà le conteneur qui
qui est ouvert, décelé. Le conteneur sera déposé sur place. Salisi ona bokono pe kozanga bozwi ezali kosala ete mibali basi pe bana bazali na basi basi makasi ezali ete tango mosusu bato moko moko bazali kokufa ona bamaladi oyo na mikili ya poto ezali makasi te pe kosalisa yango ezalaka ofele letande efutaka yango lelo Centre hospitalier Pain quotidien et bengisi bato pona kosalisa bango ofele na tina ya kosunga bato nyonso pe oyo bazangi makoki ezali lokola Ornelie azali na mvula 29 basalaki ye lipaso ya maladi ya appendicite biblia elobi na mokanda ya masese 19-17 moto ayokeli mobola mawa adefisi nzambe oyo akozongisela ye bolamu na ye nde yango ntina biso nyonso tosangani lelo
Kinshasa. Voulez-vous montrer un peu l'avancée de la construction de la maison de notre maman, Toinette. Vous voyez un peu, il y a vraiment beaucoup d'eau, mais les ouvriers ont quand même bien avancé. Regardez le niveau de la fondation. Ça, c'est que la fondation, donc le niveau est haut pour éviter que l'eau puisse continuer à étouffer cette parcelle. Donc je vais vous montrer, vous allez voir un peu comment l'eau coule alors qu'il pleut pas, il a plu hier. Voilà, vous voyez le ruisseau là, voilà le ruisseau, c'est quand même terrible comment l'eau coule. On aurait cru que c'est une rivière alors que pas du tout. Voilà, ce sont des inondations, voilà, ce sont des inondations qui ont vraiment causé des problèmes à cette famille. Et voilà, il y a beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est quoi ça? Je pense pas que c'est des poissons, mais plutôt des larves de grenouilles. Alors bonjour maître. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien, peut-être. Alors c'est le maître maçon qui est en train de construire. Alors ça se passe comment au niveau du terrain, les travaux? Au niveau du terrain, le travail est un peu difficile parce que c'est un terrain marécageux. Ouais. Là, on a mis du sous-bassement, il y a des fers à l'intérieur, les longrines. On a soulevé 4 rangées de briques. Puis, on va mettre encore la ceinture. Avant de commencer de soulever les murs de Bénébouche, obligatoirement, on doit d'abord rembler, faire le remblage. Concernant la profondeur, il nous faut au moins 6 à 5 camions de 20 mètres cubes pour rembler. 6 à 5 camions? Oui. Waouh, ok. Par rapport au niveau du remblage. D'accord. La fondation est trop profonde. Ok. 6 camions. Le camion de 20 mètres cubes, c'est 60 000 francs. Waouh. Alors 60 000 francs, on va 6. Ça nous fera 360 000 francs. Ok, bah là on dépasse largement le budget escompté. Hein. Là on va d'abord. On va dépasser le budget de 4 000 euros. Semaine, ok. On va rembler. Ok, d'accord. Alors on commence. D'accord. Ok, donc vous voyez un peu, voilà, donc je pense qu'on est plus dans les clous. On est sorti parce que le budget était de 4 000 euros, mais finalement... C'est un terrain marécageux, ça nous prend... Voilà, vous voyez un peu, donc... Frères et sœurs, on vous montre un peu.
Effectivement, au début, on était parti pour un budget de 4000 euros, mais finalement, non. Ça sera bien plus que ça. Vu l'eau, donc on va ici. Vous avez vu nos orphelins en Côte d'Ivoire, il y a une petite fille qui est assise devant. Have you seen our old friends in Ivory Coast? There's a little girl sitting in the front. Voilà, elle là, Marie-Noëlla, Marie-Noël. Her name is Marie-Noël. On devait lui retirer la rate. We had to take off her rate. Et un morceau d'os qui avait pourri. And also a rotten bone. Il était complètement pourri et il fallait plus de 3500 euros. We needed over 3500 euros. Et elle est orpheline de mère. She's an orphan. Et son père a des problèmes, souffre des troubles mentaux. She is motherless and her dad is crazy. Et on s'était mobilisé pour lui venir en aide. And we came together to help her. Et elle a pu subir cette double opération. And she had two surgeries. Là, elle a repris vie. And now she lives le again. Sourire. She's smiling. Et elle est inscrite, on l'a inscrite dans une école. And now she's attending a school. Et là, elle se porte bien depuis. And she's fine since. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. À 90 km d'Abidjan. C'est dans quelle ville exactement ici, Samuel? Tiassalé. Nous sommes à Tiassalé, où nous avons acheté un hectare pour nos différents projets sociaux. Voilà, donc on va construire ici, plus tard bien sûr, et nos différents... Enfin, on a plusieurs projets, donc on va construire une maternité, si le Seigneur nous permet, un orphelinat, et des bungalows pour les missionnaires, et puis d'autres projets, voilà. Les papiers sont en cours et dès qu'ils sortent, on démarre les constructions. Pour une levée de fonds pour la République démocratique du Congo, pour lever plus de 1 milliard d'euros, pour aider, ce que nous disait David, les réfugiés et la population congolaise. En 16 ans, rien n'a changé, tout a empiré. Et le président actuel, Joseph Kabila, s'est permis de dire que son peuple allait bien, s'est permis de dire qu'il n'y avait pas de problème dans ce pays. Je vais vous dire quelque chose. Qui a un téléphone ? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Prenez-en soin. Fanny, elle est où ? Elle n'est pas là, Fanny ? Ok. Tu peux venir, s'il te plaît ? Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais bon, on n'a pas le choix. Moi non plus. She doesn't like to be called up front. Tu peux nous dire un peu ce qui se passe sur la vidéo là? Bonjour à tous. Alors du coup, en fait, on a mis en place des ateliers couture pour fabriquer des serviettes hygiéniques lavables. Et donc là, pour le coup, ce sera 30 serviettes hygiéniques qui seront envoyées à la prison de Makala pour les prisonnières. Gloire au Seigneur. Alléluia. They get organized and they made 30 sanitary pads. Il faut préciser que dans certaines prisons en Afrique, comme dans d'autres pays appauvris, des femmes se servent parfois pour leurs menstrues de quoi ? Elles peuvent se servir de feuilles, de cendres, de coton. Et du coup, bah, ça fait qu'elles tombent malades, voire même stériles.
In poor countries, women do not have sanitary towels. They used leaves or whatever they found, and because they use those leaves on things that they found, they get sick. Donc si une sœur, un frère veut donner un coup de main pour coudre plus de serviettes hygiéniques, donc ils peuvent venir te voir à la fin. Oui, et puis il y a aussi un tuto sur le YouTube Le Pain Quotidien, complet, où vous pourrez suivre si vous savez déjà coudre de chez vous, et ensuite les envoyer. Et, c'est vrai que dans certains pays, c'est très difficile pour elles de s'en procurer des protections, surtout en Inde, par exemple. Donc on espère qu'un jour, on pourra en envoyer là-bas. Où ? En Inde. En Inde ? Oui. Il y a une mission en Inde. Dylan est où ? Dylan n'est pas là ? Parce que tu peux venir ? Ça tombe bien. Donc tu pars aussi en mission en Inde, hein ? Je ne sais pas. Ok. Avec Diane et Vladimir. Donc la mission, c'est confirmé, hein, donc on a fait le point là. C'est quand ? Ça va être en octobre. En octobre, si le Seigneur permet. En octobre, une première mission en Inde. Alléluia ! In October, there will be the first mission in India. On a la vidéo de l'Inde là ? Il y a la vidéo de l'Inde dessus ? Ok, bon, on va, comme ça tu vas encore nous confirmer ce qui se passe là-bas. Merci Fanny. Ok. Pas que la tête d'or. Nous sommes heureux d'accueillir les frères et sœurs de Paris. Nous avons une sœur qui nous allons en ville. On commence par Jean-Marcier pour aller à Thérache. Et voilà, que le Seigneur nous accompagne et que tout ça apporte le pain de vie et du choix aux personnes en nécessité. De 10 à 12 millions de francs CFA pour rouler la dalle. Bon, je pense que c'est son domaine, c'est le temps m'a donné, je ne m'y connais pas. Donc voici l'information que nous voulons vous donner. Nous sommes au Colassi, un centre de santé, je répète, avec deux niveaux, avec plusieurs salles d'examen, de soins, d'urgence. Également, il y aura le traitement de pathologies et puis il y aura des salles pour les médecins, l'archivage et autres. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu par le bas. On va descendre, si vous voulez bien m'accompagner. On va vous montrer un peu le bas. Il y a beaucoup de mobilisation. Toutes les semaines et les week-ends, on a vraiment beaucoup de frères et de sœurs qui se mobilisent pour venir nous accompagner. Donc ils font l'élévation du mur. Donc vraiment, tout ce que vous voyez travaille pour le Seigneur et il ne demande rien. C'est la grâce que nous avons. Alors, quand ils sont disponibles, ils sont là. Donc il y a toutes ces salles, donc, il y a plusieurs salles, vous les voir. C'est toujours au Gabon, hein. Et par ici, ça continue.
Et à cet endroit, il y avait de la terre. On a dû creuser, enlever toute la terre qui était positionnée. Voilà, voilà. Donc la longueur. On a oublié 25 mètres, hein, 25 mètres de long. Donc vous voyez, c'est assez long. Voilà, donc il y a toutes ces salles. Donc quand il y aura la dalle au-dessus, ce sera complètement fermé. Ça, ce sont des salles pour les soins, pour les examens, biologiques. Donc, il y a tout ce que le Seigneur nous demandera à faire. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont biologistes, qui sont pharmaciens. Ils ont, nous donnent des frères et sœurs qui travaillent dans le corps médical, mais à part entière. Donc voilà, frères et sœurs, ce que nous voulons quand même faire le point, c'est ce que le Seigneur permet que nous fassions par sa grâce. Amen. Donc nous nous apprêtons à faire un grand pas en voulant cette dalle, c'est comme un pas géant pour... Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va rouler la dalle, toutes ces salles que vous avez vues en bas seront complètement couvertes. Ça veut dire qu'on pourra commencer les travaux à l'intérieur, on pourra mettre les cadres, on pourra faire passer les câbles, l'électricité et tout cela. Donc la dalle nous permet de couvrir effectivement tout ce qu'on a déjà. Et là, pour la dalle, il fallait plusieurs millions de francs CFA. Here for this lab, we needed a million pour couler la dalle. CFA. Et il manquait 6 000 euros. In order to end it, enfin, we needed about 6,000 euros. Et la dernière fois, on a pu les avoir. And last time we were able to gather 6,000 euros. Ils l'ont reçu déjà. And they have already received this lab. Gloire au Seigneur. And the money, the donation. Glory be to the Lord. Donc là, je pense qu'ils ont commencé, ils vont commencer bientôt à couler la dalle. Now they'll start putting down the slab, pouring the slab. C'est bon. Et après la dalle, on va juste continuer à monter les murs et faire encore une autre dalle et ensuite monter les murs et ensuite mettre le toit. Voilà. Donc le pas de géant, ce serait la dalle. Voilà. Merci. Soyez encouragés. Continuez à prier pour nous. Pensez à nous dans vos prières. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Bonjour à toutes et à tous. Là, nous sommes en Zengayon pour la journée médicale. Donc nous bénissons Yahweh. Tout a commencé depuis 7 heures. Il y avait déjà des gens. Voilà. Donc en tout cas, le Seigneur est en train de faire grâce. Les consultations ont commencé depuis. La prise des paramètres, les conseils, tout ça là. Le dentiste est aussi arrivé. Voilà. Il y a plusieurs tentes. Ça avance. Mais vous voyez comment Yeshua se glorifie. Yeshua se glorifie, voilà. Oh, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, Yeshua Machia. Il est merveilleux, vous voyez. Oh, le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est bon. Que son nom soit glorifié encore. Que son nom soit... Bonjour. This is Motherly Love Orphanage to our Pen Quotidien family. Your children are ready to go to school. They have a message for you. Okay, on behalf of Motherly Love Foundation, today we are all standing here that as we are starting a new year, we pray for our godmothers, our godfathers, for long life, and we pray for them that God should also bless them and let all their desires come to pass. Thank you. Say thank you. Thank you. Our godmothers. Our godmothers. And our godfathers. Our godfathers. We love you. We love show you. Some love. Show some love. Show some love. Pause. On veut acclamer le Seigneur pour le Ghana, alléluia. Let's clap for the Lord for Ghana. Tous ces enfants ghanéens, all these children from Ghana, Ghanéens, sont atteints du VIH. They are HIV positive. Ils ont été abandonnés par leur famille. They have been left abandoned by their families. Et un couple atteint aussi du VIH, and a couple who is also HIV positive, a eu à cœur de venir en aide, de leur venir en aide. Had in their hearts to come and help these children. Voilà comment nous avons, le Seigneur a permis qu'on puisse prendre en charge ces enfants depuis des années. This is how the Lord allowed us to take care of these children for years now. Donc plus de 1000 euros sont envoyés depuis plusieurs années au Ghana pour leur venir en aide, pour le loyer, pour la nourriture, pour la scolarisation. For many years now, we have been sending 1,000 euros to feed them for school, education, everything that they need. Amen. Amen. Je ne sais pas où on en est avec la construction, mais Daniel est là. Daniel,
Qui s'occupe du Ghana au niveau du pain quotidien? Tu peux nous dire un peu, où, s'il te plaît. On a arrêté avec la construction. Did we complete? On a fait pause. Hein? The building. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Shall we continue to complete ouais? The building tu veux of this qu'on... orphanage? Ok. Donc on va relancer la construction de parce que là il. Quand j'ai vu ça aussi, ça m'a touché. Donc, I was touched when I saw all these children hein? Blowing kisses. Qui veut qu'on continue la construction de le, parce que là, on paye cher le loyer depuis plusieurs années. On paye combien par mois le loyer? How much do we pay for rent every month? À l'année, c'est 2400 euros. Oui. 2400 euros per year. 2400 euros à l'année pour leur loyer. For their rent. Donc on va avoir une réunion. We're gonna have a meeting. Lundi soir, c'est possible? Ou Monday mardi soir? Evening or Tuesday evening. Mardi soir, comme ça, on va planifier tout ça pour reprendre la construction. And we're gonna talk about all this. Donc là, nous allons en Inde. Now we're gonna go to India. Tout un village s'est converti. All village convert themselves to the Lord. Voilà l'œuvre du Seigneur. See the work of the Lord. Et chaque mois, avec l'association et Anozen, on envoie 1000 euros là-bas pour leur venir en aide, notamment aux orphelins. Every month we send 1000 euros with the charity Anozen to help the orphans. Le chef du village qui était hindou persécutait les frères et sœurs. The chief of the village who used to persecute brothers and sisters. Lui-même a été contaminé par l'évangile. Now he has been contaminated by the gospel. Et il s'est converti. And he turned himself to the Lord. Et là, au moment où nous parlons, je pense qu'ils sont connectés, ils nous suivent. Right now, as I'm speaking, I'm sure they're following us online. Et il y a une mission en Inde en octobre. And in October, we're gonna have a mission to India. Enfin, alléluia. Finally. Gloire au Seigneur. Glory be to the Lord. Madagascar, est-ce qu'il y a des Malgaches ici? Are there Malgaches? Des frères et sœurs de Madagascar, il y en a de plus en plus. Brothers and sisters from Madagascar, there are Attends, more. Pause. Da, 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 da. Vous êtes connecté ou pas là? Are you following? Yes. Il y a 9 missionnaires venant de Madagascar qui arrivent au Congo. There are 9 missionaries coming from Madagascar going to Congo. Ils partent au Congo. Alléluia, gloire au Seigneur. They are going to Congo. Glory be to the Lord. Hallelujah. Nambi est où? Where is our sister Nambi? Na 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 na. Il faut que j'apprenne le malgache. Hein? I need to learn how to speak Malagasy. Une belle langue. What a beautiful language. Je vous sens épuisé. Are you tired? Il fait chaud. Hein? It's hot. La prochaine fois, on sera pas ici. Next time, we will not gather up here in this place. Va falloir qu'on soit dehors, qu'on aille dehors. Hein? We're gonna go outside. Joséphine, avec le violon là, c'est possible? Ah, il n'y a pas de violon, hein? On l'a pas amené? Ah, ok, c'est pas grave. Le titre du chant là, c'est quoi exactement? C'est Iderakono. Iderakono. Voilà, Iderakono, c'est ça. Iderakono. Iderakono. Comme vous avez chaud, vous n'êtes pas obligé de vous lever. Hein, ça, c'est pas un problème. C'est, chacun fait ce qu'il veut. Dès l'instant où le Seigneur est glorifié, c'est bon. Amen. On peut louer même avec ses pieds comme ça, c'est juste ça. Il n'y a pas de souci. Pas ni problème. Oui. Qu'est-ce que veut dire le chant? Tu veux qu'on. Oui. Alors le chant, il y a une version française aussi. Le refrain, ça veut dire oui, je te louerai. Oh oui, je te louerai. Oh oui, je te louerai. Yeshua. Oui, je te louerai. Oh oui, je te louerai. Oh oui, je te louerai. Oui, je te louerai, oh oui, je te louerai, oh oui, je te louerai, Yeshua. Oui, je te louerai, oh oui, je te louerai.
la fiubina, a mini hikia pipalina, a mini e di chiudetta, a mini e di chiudetta, oh, a mini hikia fiubina, a mini hikia pipalina, a mini e di chiudetta. We're going to have a mission at the end of September. C'est bon? Et nous avons aussi à cœur de d'acheter un terrain à Madagascar pour construire aussi un centre hospitalier. Je vous ai dit que on a commencé au Congo, Kinshasa. Et on ne va pas s'arrêter au Congo, on va, comme d'habitude, essaimer. L'association Madagascar pour Yeshua, c'est ça non, Eric? The charity c'est ça, hein? Madagascar for Yeshua. Eric est où? Ah, il est parti. Ah, il est parti au travail? Ok. Ok, une urgence. Ok. Donc, on a pu acquérir ce terrain, je pense qu'il reste quelques, peut-être 2 ou 3 000 euros. There's still 2 or 3,000 euros. Sinon, plus de 8 000 euros ont déjà été avancés. On est avancé, donc là, on va construire ici aussi un centre hospitalier. We're going to build a medical center on this land. C'est bon. On va essayer d'aller partout. Voilà. Donc là, le mois prochain, nous allons en Centrafrique, toujours pareil pour construire notre centre hospitalier. Et là, ben, on lance déjà un projet hein, que vous prépariez en prière pour le Madagascar. Voilà, donc on va pouvoir acheter un terrain là-bas. Il y a déjà quelqu'un, un couple qui nous a parlé d'un terrain. Et on va se mobiliser pour le prendre et construire enfin à la fois un centre hospitalier et un orphelinat pour nos enfants à Madagascar. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et
Voilà. Donc, merci en tout cas au Seigneur qui est, vous permet de nous soutenir dans la prière. Voilà. Et le nom du Mashiach sera de plus en plus élevé. Là, madame, veuillez remercier l'association Famille d'Alessi. Ok. Aïe. Plaque métallique avec l'autocollant vernissé. Ça va durer comme les autocollants collés avec les carrosseries des véhicules. Donc ça dure. C'est en qualité aussi. Ça, c'est du quartier des BA. Donc, je vous remercie, monsieur. Je me remercie aussi l'association. Aujourd'hui c'est le 23, jeudi le 23. Je suis là pour la vie.